Merci, M. Diallo. Le ministère de la Santé a développé plusieurs stratégies pour réduire la mortalité maternelle et non-natale, dont le développement des soins obstétricaux et non-natales d'urgence. Pour cela, divers investissements ont été réalisés en termes de construction, en termes de recrutement du personnel et de formation. Donc aujourd'hui, nous sommes venus sur instruction de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf, pour réouvrir le bloc opératoire du centre de santé de Bélingara, fermé maintenant il y a plus de 2 ans. Vous savez que le nouveau bloc va permettre aux femmes du département de Bélingara d'être prises en charge ici même à Bélingara, au lieu d'être évacuées sur Kolda ou bien sur Tambacounda, mais aussi permettre une prise en charge précoce des complications obstétricales, ce qui pourra contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans le secteur de Bélingara. Maintenant, il se pose la question de la pénétration. Ce que j'ai vu ici me rassure. Il y a un engagement de l'autorité administrative, il y a un engagement des collectivités territoriales à travers le conseil départemental, la mairie et le corps le comité de développement sanitaire. Mais ici nous avons vu des acteurs communautaires tels que les Neyudara, les Badjanko qui sont engagés. Nous pensons que tout ceci, avec l'appui de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, et sur les instructions de M. le ministre, nous allons y parvenir inchallah. Parce que vraiment notre objectif, c'est que ce bloc opératoire soit fonctionnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures et 365 jours sur 365 jours. Ce sont les instructions qui nous ont été données par le ministre de la Santé. Bon, c'est comme tous ces services hospitaliers. Il y aura un bloc opératoire, il y aura une salle de réveil, il y aura une salle post-opératoire, mais surtout l'équipement. Je pense que pour cela aussi, nous avons pris les dispositions pour doter le centre de santé de Bélingara d'un hydrogène performant de 150 kVA qui permet même en cas de coupure d'électricité que les interventions puissent continuer. Je pense que là aussi, c'est un élément important à prendre en compte.